Yes. J'ai Allez, hâte. on est reparti. On aura le 9 parchment. Celui-là, attends, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. Donc, tu vois qu'il y a 9 parchemins. Parchemins. Congelons le serpent. Je crois que c'est pas le sort qu'il faut. Restez pas dans le coin. Oui. Non, c'est. Je l'ai eu? Je l'ai touché? Non. Tu t'es. Hey! J'ai un niveau. Bien joué. Ah, bah bravo. Moi je dis. Ah, un pont étroit pour tous nous. Ouais, en plus un truc qui nous. Voilà, allez. Et nous avons un vent. Merde, je gère plus. Ouh. Putain, bon, avec mon petit laser de glace qui sert tellement à rien. Explosé dans la poche. Ça fond dans la poche. Il y avait une cigogne qui volait, c'était joli. Salut John. Sur, on, ça fait longtemps. Salut à toi. C'est mon John? Non, c'est pas mon John. Non, non, c'est pas ton John. Il n'a pas le monopole du John. Exactement. Ok. Ah, mais... Il y en a un seul qui est pas immunisé à ce sort-là. Je lance où? Sur tout le groupe qui l'est. C'est normal. Bah, visiblement, je suis pas immunisé au saut de falaise non plus. Donc, Alors. Très bien. Et puis, c'est assez puissant mon sort de soin quand je touche. Mais moins que mon totem de feu. Bim. Ah oui, non, il est immunisé. Putain, ça va rentrer un jour dans mon crâne. Oh, t'inquiète pas, général. C'est une jeu qui est compliqué. Comment ça va par ici? Bah, ça va plutôt bien, même dans cette période un peu particulière, mais ça va. On s'y fait petit à petit. Oui. Et alors? C'est pas comme si on avait tous la peste. Non. Il me fait chier sur le. Oh non! Oui. Hey, il croise des flux! Il croise des flux! Bim! Allez, moi je suis avec son laser à la con. Putain, mais cassez pas les pieds! Allez brûler en enfer! Du coup. On ressuscite l'autre? Bon, oh, ah, c'est oui. Pas obligé. C'est un des plus efficaces, alors. Oui, un des trois les plus efficaces, c'est vrai. Exactement. Ouais, je sais, mais bon, ça change pas dans mes habitudes. Ça aide de rester zen. Ouais, je comprends. Je connais pas ce jeu. Voilà. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, tu ne connais pas Nine Parchment? Alors, eh bien, c'est un jeu qui a été développé par la même équipe que ceux qui ont fait Trine. Où on incarne des magiciens à la recherche de différents parchemins. Pour apprendre des nouveaux sorts. Si j'ai bien compris un peu le. Ouais, en fait, je suis en train de me rendre compte la finalité de cette quête, c'est juste apprendre des sorts ou il y a un monde à sauver ou... Bah, en fait, je me rappelle plus du début du jeu, ce qu'on a commencé il y a un moment. C'est juste remettre de l'ordre parce que les 9 parchemins ont été disséminés, faut les retrouver, c'est tout. Oui. Mais heureusement, au début du jeu, t'en as déjà 3. Voilà, ce qui fait qu'en fait. C'est pas vraiment 9 parchemins en fait. C'est bah, plus, si, il y a 9 parchemins, mais t'en as déjà 3 quoi. C'est comme les 7 boules de cristal, au début t'en as une quoi. Comme c'est une quête de 6 parchemins quoi. Mais dans ce cas-là, oui, voilà, c'est pas. Il y a tromperie sur la marchandise, il y a arnaque quoi. Ah là. Enfin bref, tout ça pour dire que Nine Parchemins, c'est le jeu de la déception. Voilà. Il est pas mauvais, que... mais il est décevant. Voilà. Il est pas mauvais, mais il est correct. Il est fait par les créateurs de Trine, ce qui était censé être un gage de qualité bah, jusqu'à ce qu'on y joue. Bah, sincèrement, on se marre, mais à pas jouer tout seul, quoi. Voilà. C'est pas à jouer tout seul. Il va casser les pieds, celui-là. Oui, vas-y, vas-y. C'est comme ça qu'on crame les ennemis. Bref, disons que si on devait mettre une note à ce jeu, on mettrait un 10. J'irais quand même jusqu'à 12-13, parce que on se marre quand même plutôt bien. Ouais, moi je mettrais un 12 quand même. Voilà, c'est super joli, l'ambiance est là, c'est rigolo, c'est juste que
ça à faire avec des gens que tu connais bien et que tu apprécies, quoi, parce que sinon... Ou pas. Ou pas, c'est vrai, t'as parfaitement raison. Jeux, ouais, avec des gens que t'apprécies pas, ça marche bien aussi. C'est vrai. Mais c'est une bonne idée. Un bon défouloir. Un bon moyen pour se taper dessus, c'est... Il est tous mal. Je suis coincé. Je suis où? Évidemment, je suis... Ouais. Ah, je suis pas mort. Je suis coincé, je suis où? Ok. Je sais... Ah bah... Ah non. Non. Oh là là. Alors, les boîtes du métal de ce jeu me rappellent vachement Trine. Et bah justement, c'est fait exprès parce que c'est un clin d'œil à Trine. Puisque... Ouais, c'est dans le même univers que Trine, et celui que je joue, moi, à Sleek, là, c'est Amadeus, en fait, c'est le magicien de Trine. Voilà, c'est un clin d'œil. On peut débloquer dans le jeu. Il est pas dès le début, mais on peut le débloquer, et après, on peut jouer sa boîte. Voilà, sachant que voilà, c'est le même studio, c'est-à-dire Frozen Beat qui l'a fait. Frozen Beat. Et c'est, en fait, c'est à peu près le seul lien direct qu'il y a avec Trine. Ça et l'Académie de Magie. Voilà. Ça. Et en plus, on a la possibilité de nous mettre des superbes couronnes. Voilà, c'est pour ça que j'ai un bonnet de nuit, en fait. Je pourrais avoir le... Encore que non, il n'y a pas le chapeau d'Amadeus, je crois. Alors, je me suis pris un petit peu les missiles de tout le monde. Des deux alliés, mais aussi des ennemis. Je ne vois pas vraiment quoi. C'est seul contre tous, quoi. Oui, en fait, le principal intérêt du jeu, il est là, en fait. Oh, deux succès d'un coup, zone interdite et... Et coup de foudre. Je crois qu'en fait, tu enlèves le Friendly Fire, je crois que tu perds tout l'intérêt du jeu. C'est ça. Merde. Putain. Ressuscitez-moi. D'accord, je comprends mieux. Alors. Je crois que c'était moi qui l'ai ressuscité. Je suis prêt à en découdre. Sachant que je suis meilleur hein, sur ce jeu. Ah bah ton magicien est un petit peu craqué, hein. J'ai été 3 fois champion du monde de Nine Perchment. Alors attendez, je vous demande juste 5 secondes. Seulement 5 secondes. Ça va être suffisant pour te buter. Une petite transition et je vais... regarder, en fait, je vais afficher directement la page du stream. Soignons-le. Il faut que je le soigne avant que Keno arrive à le tuer. Mais le problème, c'est que j'ai plus de sort de soin, donc c'est maintenant ou jamais. Je suis pas trop confiance en fait dans le retour de Streamlabs, toujours peur que... Je peux comprendre, c'est ce que je fais, je mets les deux moi. Et c'est bon, on est reparti. Allez, pas tout ça mais on a un monde à sauver, enfin oui. Presque. On a un livre à écrire, à récupérer. Les pages du bouquin à récupérer. On a juste un vieux parchemin à récupérer. Ça glisse, c'est ça. Je suis tout trempé. Youpi. J'ai trempé ma culotte. Oh. Des ennemis divers et variés. Incroyable. Un bestiaire étoffé. Un bestiaire étoffé. Ils ont pas les mêmes couleurs, c'est comme dans Monster Hunter, tu vois, c'est des sous-espèces. C'est ça, les sous-espèces. Ce sort est tellement bien. Je te soigne. Je te soigne. Que j'apprenne à viser. Je te tue. C'est bien la première fois que tu me préviens. Ouh. Bon allez. Oui, ça s'est toujours fait accidentellement. Voilà. Non. Ah. Ça fait puf sur ma tête. Bon bah je me suis fait gangbang. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Merde. J'aimerais bien moi, avoir des sorts qui font. J'aime bien, je suis sûr qu'Eno et c'est qui ressuscite avant. C'est normal, c'est normal. C'est la puissance. T'as le vieux mage et t'as le jeune débutant, c'est le débutant. Bon, là il est bien en 60 images par seconde, oui, je crois. Ah! Hein. Arrière. C'est quoi qu'on sort? C'est pas ce sort là que je veux. Immunité, putain. Merde. Keno est au milieu. J'avais pas vu qu'il y avait un vide.
Guess who's back. J'aime pas ce que t'as sur... dessus de lui. De quoi? Tu veux parler de ça? Oh putain, mais c'est vraiment une gamin. J'ai cru que t'allais dire connard, ce qui était vrai dans les deux cas. Ouais, mais je suis quelqu'un de gentil, tu vois, je... Aouf! Aouf! Oh, c'était gelé sur le bord. C'était si chaud. J'irai! Je trouverai cette... Voilà, je l'ai eu, je peux me barrer tranquillement. J'irai au bout de mes rêves. Ouais, je suis monté de niveau. Oui, j'en ai eu deux d'un coup. Quelle sorte utiliser comme ça? C'est bon, le... T'as vu, on est deux pour te couvrir d'amour. Et te sauver. Mais sauver? Sauvez-moi. T'en as un qui arrive, t'en as qui se barre. J'aime pas trop les ascenseurs comme ça. Je comprends. C'est source de conflit. Mais qu'on a perdu. Ah, et voilà, tout de suite. Oh, tout de suite. Y aura-t-il la fin? Vas-y, allume ce brasier. Il est con. Oui, je vais. Allume-toi. Non, il veut pas. Tout ça, c'est tout ça pour prendre le trésor. Oh, la couronne de sérénité pour Ch'ti. Oh. Tu te sens plus serein, Ch'ti? Ah, mais je suis toujours serein, moi. Est-ce que t'es encore serein si je fais ça? Oui, tout à fait, regarde, je m'écarte. Et maintenant, si je fais ça? Mais quel casse-couille! Je le soigne, parce qu'il va pas te crever à cause de tes... Ouh, j'ai mal! Ouh, j'ai eu très mal! Ouh, j'ai popo! Ah bah, je suis mort. Oh non! Oh non! Oh merde! Sauvez-moi! Mais qu'est-ce qu'il fout, Asli? Bah ouais, t'es pas mort! Ah merde, pardon. Je croyais que j'étais mort. Ah voilà, là je suis mort, c'est bon, là je peux glander. Maintenant je peux glander. J'ai fait semblant de vous faire croire que j'étais mort. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. C'est une ruse. On va faire le contour du pas. Y'a pas un truc là dans cette zone? Non. Non mais... Tu risques d'être déçu. J'aurai de l'espoir jusqu'au bout. C'est le moment. Avance. Attends, je récupère ma boîte quand même. Ouais. Tu vas pas le sauver, tu récupères ta boîte. C'est ça. Hey. Ah, ben là... oh, c'est con, hein. J'allais dire la fin du niveau. Ah. Chut. Sauveur Keno, maillon fait de militaire. Sauveur. On était guerre civile. Pardon. Sauveur Keno, je vais vous buter. C'est vraiment un jeu de merde, hein. Vous êtes sauvé. Alors, 10 points de régénération après 10. Tirailliers, ouais. Tirailliers subi quand même. Asli qui en a quasiment 2,5 plus que tout le reste. Ah, change de coup critique, voilà, 2%. On va essayer d'augmenter les coups critiques. Moi, j'ai augmenté ma santé pour éviter de mourir. Face à vos coups diaboliques. Bon. Oh, regardez ma boîte, elle est puissante. En plus, en train de planer. Ouais, tu m'étonnes. Oh. Le dernier parchemin se trouve quelque part. Ah, ici. Chéon, les amis. Oh non, pas cet endroit. Ouais, toi aussi, tu te rappelles un truc? Pas moi. Ouais. Je me souviens que ça nous avait pris 2 soirées. Pour non. Y arriver. Non, dis pas ça. Dis pas ça, tu vas faire fuir le pupille. Non, Marc, est-ce qu'il vient pas pour ça aussi, pour nous voir mourir comme des... Bah, vous voir pas forcément, parce que je meurs déjà très bien tout seul. C'est ça. En fait, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il y a du public. Pour l'instant, ils sont 2 sur la clique. Et... Ils sont 3 sur ma chaîne. C'est timide. Hein. C'est timide ce soir, c'est vrai. Venez, ouais. Putain, je suis à poil. Ah, on a un pic de 10 views. dont 2 du CSA. Mais il attend la fin du live pour être sûr que... Le CS Twitch. CS Twitch. Pour être sûr. Merde. Bah logiquement, si t'as pas ta cam, tu peux. Hein. Si j'ai pas ma canne.
Cam. Ah. Non, non, je ne l'ai pas, non, non. Alors, c'est pas ce combat, mais c'est celui d'après qui était ultra relou, où il y a du vide. Je me rappelle tout à fait. Voilà. T'inquiète, j'ai appris la danse de l'air. Bon, je vous attends. Attends, je vais balancer une barrière déjà dès le début. Mais pourquoi sur ma gueule? Mais non, il est immunisé. Ah! Au secours! C'est compliqué. Merde. J'ai loupé mon coup. Tu vois, seul peut nous sauver, saute! Faut sauter. Ah! Dernière chance. Oh oui, évidemment, dernière chance, Bibi. Vas-y, vas-y. Merde, on fait sort. Saute. Voilà. Oh, ce talent. Oui, c'est bon. On y arrive. Du premier coup, sauter. Merde. Auto. Non. C'est celui-là. Je vais achever. On est tellement bon. On a réussi. Voilà, heureusement que j'étais là pour vous sauver. Ça passe bien à 3 en fait. Putain. Je suis succu. Ouais, pareil, je pensais qu'on allait galérer. Ah bah, quand vous avez quelqu'un qui sert d'apport, hein, forcément, ça va mieux. C'est ça. C'est ça ce qu'il nous fallait, un pigeon. Pardon, un... Ah oui, bah, j'assume amplement mon... Merde. Un quoi? Croisez les effluves. Voilà, croisons les effluves. Ça y est, ce sort. Ouais. Ah mais j'ai pu. Attends, fusion les effluves. On peut le faire. Non, vous venez. J'appuie sur R pour recharger. Il faut que j'arrête de jouer FPS. Ah super, on est confiné. Ah. Même ici, putain. En vrai, je suis tellement bien où je bouge pas. T'es relou. Pourquoi? Attends, mais en vrai, tes vagues d'électricité, elles les touchent? Ou elles passent par-dessus comme t'es plus haut? C'est celles qui font. Non, celles qui sont au sol. Attends, j'essaie un truc. Ah, il se planque, l'enfoiré! Ah, ça lui fait mal quand même. Yes, ça le touche! Ça lui fait les dégâts! Ça va prendre un certain temps, hein. Ah bah super. Non. Ah. Arrêtons-le. Ne te fais pas tuer, sinon tout reposera sur Keno. Salaud. Là, il fait chier avec son confinement là. Aïe. Fait mal. Putain. Tu voulais besoin d'un totem de feu. Bah il est un peu tard. Il confine tous. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai que des heures de zone. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Descendre. Mais j'ai fait plus que plus. J'ai fait presque plus de dégâts. Regarde. C'est si long. Mais sinon, ouais, j'ai gagné un niveau. Le niveau de la mort. Ah, vous avez été long, hein, les gars. L'hypocrite de base. Oh, c'est la salle de Fort Boyard. Putain, on a gagné d'expérience et pas de thunes. 61 points en plus, c'est que dalle. Non, j'allais dire esquive, mais pas du tout. Je vais claquer. On est chaud de mourir en beauté. Ouh. Y'a du soin là-bas. Ah. Merde. Yushi. Bah, son mort. Cadavre disparaît et joue à droite à gauche. J'suis mouru.
Faudra un compteur de mort, tu sais, en bas à droite. Ouais, mais bon, au bout d'un moment... Il exploserait. Voilà, quoi. Mon compteur n'est pas infini. À la limite, si on le réinitialise à chaque chapitre... Croisons les effluves. Cette puissance... Merde. Je meurs en beauté. Et dans l'eau. Ah non, je meurs pas du tout en beauté en fait. Parce que c'est... Je crois que c'était un ennemi qui m'avait tué, mais non. Non, non, c'est... Bon, après... C'est est-ce qu'on peut te considérer un peu comme un ennemi parfois? Je suis un sous-ennemi, une sous-espèce d'ennemi. Merde. Une sous-race d'ennemi. Oui! Allez-y, vengez-moi. Avenge me. Tu es vengé. On va t'enterrer. Ah bah même pas. Même pas le temps, pu, pas drôle. Un coffre. Pour une fois que j'en vois un. Hein. Putain, j'avais une merde dans l'œil. Oh, la c'est pour ça que tu nous vises tout le temps depuis tout à l'heure. C'est ça. Non, non, ça c'était volontaire ça. Ah, je disais bien aussi. Mais oui. Oh. Bah oui. Piplim. Plume. 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 Merde, je vais vous lancer ma barrière. Oh là là. Keno est encore le sauveur, décidément. Je suis toujours maillon faible, putain. Mais au dernier live, c'était toi, hein, je comprends pas. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Il a pris du skill. Des choses que je comprends pas, j'apprécie pas, là. L'incinérateur. Ah. Oh. Bon, eh bien... Les babas ? Il est temps. Je m'en souviens plus. Ah, je me rappelle de la chimère qui se dédouble. Oh. Et même se détriple et se double et quadruple. Oui. Ah bah non, je vais pas y aller moi. Bon, d'accord. J'ai dit. Reste là-bas. On va pas commencer à se tuer sinon on va jamais y arriver. Alors attention. Tout ce que je peux te donner comme conseil, je dis. Ah bah ça va, parce que c'est un conseil que d'habitude j'applique de base. C'est bon, il est presque mort. En fait, il enlève des morceaux de plateforme. Ah trop bien, j'adore ça. Donc il faut faire très gaffe. Voilà, et va pas trop à côté, sinon il te mord. Okay. Bon, j'ai la plupart des sorts à distance, donc ça devrait aller. Et ensuite, il invoque des leurres. Voilà, donc ça c'est un leurre, ça c'est le vrai. Attention où il tire, parce qu'il peut tirer directement sur toi et te faire tomber. Et je crois que tu sais tout. Après c'est Bourina, je touche. Ah oui, par contre tu les vois quand ils vont tirer du feu, ils font tous une roulade avant. Ok, j'en ai un ça. Ouais, j'en ai un. C'est le bon. Mais... Il faut sauter, attention, il y a un genre là. Voilà, attention, saute. Parce qu'en vrai après quand ils sont 8... Heureusement que la zik est trop bien. Non. Putain, vous faites exprès, les gars. Oh non, mais je vais me faire violer, moi. Mais avance d'un centimètre. Merde, sautez. Ah, merde. Si tu te places bien, tu peux ressusciter les deux. Oui. Où suis-je? Cercle de soin. Ça, c'est plus que 2 ou 3, hein. Merde. Oh, j'ai fait le con. J'ai fait le con et j'assume pas totalement. Mens. Mais t'es où? À l'autre bout. Ah, il est où le DC? Il est où? Je vais te ressusciter. Fais attention, il y a une chèvre boucle mon sport qui est là. Je suis mort. Oui, je l'ai achevé, j'ai servi à quelque chose. J'ai servi là, à quelque chose. Et là, il tombe dans le trou. J'ai servi à quelque chose. Moi, je dis. Non, c'est ouf comme A3. Epic fail. Quel échec. C'est ouf comme A3, c'est plus facile en fait. Sauf quand on a un Keno qui te bombarde, voilà.
sauveur, Keno. Mais putain. Ah non, c'est moi le maillon faible. Mais maillon faible parce que j'ai essayé de sauver Keno. Bon, j'ai pas réussi, mais... Ah là là. Ah, qu'est-ce qu'on a comme sort chiant. C'est vrai, je sais un sort. Alors, bah je crois que mon sort est tout tracé. Un bonus de puissance, il peut être transmis à quelqu'un d'autre. Mon sort est tout tracé. Pareil. Ah, merde. Ah non, pas celui-là. En fait, on a tous... En vrai, j'aurais tous les bombardements. Celui-là, en fait, je le connais pas, il a l'air rigolo. Enfin, non, cercle offensif, tu marches dessus, t'as de la puissance. T'as de la puissance et puis il explose en infligeant des dégâts. Vas-y, je le prends. Cercle offensif adhérent, il colle. Pour servir toujours plus à rien.